Voilà, donc après qu'installer une API, alors la prochaine étape pour nous, lazem installer lazem créer notre premier projet à Django. Voilà, donc Django a été installé. Maintenant, quand vous tapez la commande en principe, comme je disais, voilà. Donc à la commande, on va écrire Django admin. Alors pour créer un projet à Django, c'est ça. Écrivez Django admin. Start project, voilà, start project. On va tirer le nom d'un projet comme par exemple Django admin start project blog. Il doit être un site e-commerce Django admin start le nom de l'application comme ainsi de suite. Vous voulez créer une application par exemple clone de Uber, Django admin start project Uber clone ainsi de suite. En fait, le katana, ça sera un blog, donc c'est mettre un blog. Rebentrer, voilà, donc créer un dossier, c'est moi blog. Voilà, donc on entre là, c'est des blocs, change directory block. On est à l'intérieur du dossier de on est derrière. On dit ls, on chauffe chacun. Il y a un autre dossier, c'est mon bloc technique. Il y a un fichier, c'est mon manage.py. Voilà, donc, Hada manage.py, il y a un radin, il y a un bon serveur. Je vais regarder les opérations internes, l'application internet. Bon, Hada, je vous interdis de le modifier à l'intérieur parce que. Hada, c'est lié à Django, ça veut dire mettre à la bouche fait. Vous allez que l'utiliser. Alors, faites l'étape éditale, le projet Tana, a une application fonctionnelle, ça veut dire un radeau lanceur. Alors, pour lancer le serveur Tana, on va le lancer, le Python manage.py, voilà. On dit run server, voilà, ça veut dire que le Python exécute le fichier manage.py. J'adore lancer le serveur, run server. Voilà. Donc, performing system checks, no issue, pas de problème. Il y a des trucs en rouge pour le moment. On va les négliger, Zapohom, concentre-moi les 4 lignes. Voilà, le serveur s'est lancé le 14 d'altitude 2017, fait l'heure. La version de Django est en 1.10.5, les installations de la vidéo précédente. Voilà, settings, voilà, starting development server at http://127.0.0.1.8000. Voilà, c'est la ligne de Sakhna. On va quitter le serveur with control C. Ça veut dire que quand vous avez le serveur, vous avez control C. Voilà, nous allons faire le serveur parce qu'on a besoin de chauffer le machin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là, on va copier Hati. On va faire le serveur, on va le browser. On va dire control V. Voilà. L'application internet générale de Django. It worked. Congratulations on your first Django powered page. Ça veut dire ça a été. Évidemment, mais ça me dit que tu as fait un travail. Voilà, ça veut dire que le code de la canadienne a comme ça. C'est juste un template de projet. L'asem comme tu peux donc tu mets comme voilà. Voilà, donc ça a été comme ça. Dit la première. La manière de créer les projets de Django, ce sera la même chose durant l'utilisation de Django. La méthode de créer les projets de Django. Voilà. Donc, à la vidéo prochaine, Inch'Allah.